Je sais que tu n'étais pas tanné de l'hiver, mais c'est le printemps. Je t'en souhaite un bon. Et qui dit printemps, dit ça dégèle, les érablières, ça coule. Puis j'en souhaite une bonne saison à nos acériculteurs de la région. Et puis, qui dit printemps, dit aussi, tiens, les hirondelles qui reviennent et le concours québécois en entrepreneuriat. Il y a mon ami Hugo qui a rencontré Marie-Ève Pelletier, qui est agente de sensibilisation en entrepreneuriat jeunesse au Carrefour Jeunesse Emploi de Témiscouata. Et on écoute ce que ça donne. Le concours québécois en entrepreneuriat, c'est un concours qui a vu le jour en 1998. On en est à la 17e édition cette année. C'est un concours qui vise à inspirer le désir d'entreprendre au Québec de façon à bâtir un Québec qui est fier, qui est innovant et qui est prospère. C'est un concours qui comporte deux volets, donc le volet entrepreneuriat étudiant qui s'adresse aux élèves et aux étudiants au niveau primaire, secondaire, cégep et des universités qui participent à l'élaboration d'un projet entrepreneurial. Et le volet qui est création d'entreprise, qui s'adresse aux femmes et aux hommes de 18 ans et plus, qui en sont dans la première étape d'élaboration d'un projet. Des projets où l'élève ou le jeune participe activement à l'élaboration du projet. Donc, c'est lui qui prend part à toutes les décisions et qui est présent à toutes les étapes d'élaboration du projet. C'est autant des projets où les élèves créent un produit, un service ou un événement qui permettent de répondre à un besoin, solutionner une problématique ou améliorer une situation. Et évidemment, ces projets-là doivent permettre à l'élève de développer les compétences et les valeurs entrepreneuriales telles que le leadership, le sens des responsabilités, l'autonomie, le sens de la créativité, la coopération. Donc, une fois que ces projets-là sont inscrits, bien, ils sont soumis à un jury qui vont les évaluer selon différents critères d'évaluation. Donc, on a la mise en contexte, on a les étapes de réalisation, l'envergure du projet, la mobilisation, les retombées et si le projet est original et innovant. Le concours québécois en entrepreneuriat, c'est quoi pour la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs? C'est 17 projets qui ont été inscrits cette année, dont 15 qui sont issus de la MRC de Témiscouata. Pour un élève, c'est quoi? Finalement, pour lui, c'est une façon de développer puis de mettre à profit ses connaissances dans un contexte qui est réel. C'est une façon pour lui, bien sûr, de développer ses compétences et ses valeurs entrepreneuriales, mais c'est aussi une façon pour lui de s'investir à 100% et puis de favoriser les liens avec ses pairs. Pour un enseignant, le concours québécois en entrepreneuriat permet d'intégrer et de réinvestir du contenu pédagogique et de diversifier leur approche. Donc, c'est une façon pour l'enseignant d'intégrer à la fois les arts plastiques, les mathématiques, le français, et ce, au sein d'un même projet, et d'appliquer ces connaissances-là à un projet qui est réel. C'est aussi une façon pour l'enseignant de s'ouvrir sur la communauté en favorisant les liens avec les entreprises, avec les organismes, puis avec les citoyens. Le concours québécois d'entrepreneuriat s'échelonne au niveau local, régional et national. Donc, c'est une très belle visibilité pour ces projets-là. C'est aussi un concours qui favorise le sentiment, qui valorise plutôt le sentiment de fierté chez les jeunes et qui valorise les initiatives entrepreneuriales. Marie-Ève n'en a pas parlé, mais le gala local qui concerne les gagnants là, du concours québécois d'entrepreneuriat, les gagnants locaux, ben ça va se passer le 16 avril prochain à Saint-Clément. Et c'est votre humble serviteur qui va l'animer. Autre chose aussi, qui dit printemps, dit salon de l'emploi du Témiscouata. Chaque année, c'est depuis 1999, une quinzaine d'éditions du salon de l'emploi. Et c'est organisé par le service Accès emploi. En moyenne, dans les 5 dernières années, c'est 600 visiteurs. On parle aussi de 40 exposants, de 500 offres d'emploi de disponibles, en fait, d'affichés. Et ça permet aussi aux employeurs de réseauter, de prendre contact avec de futurs employés, de faire connaître leur entreprise, la mission, les valeurs qui sont véhiculées par leur entreprise. Alors, ne manquez pas ça, ça va se passer du côté de Digely. C'est le 30 avril prochain. Qui dit printemps dit séduction, petite séduction. Il y avait des rumeurs concernant l'émission très populaire durant l'été animée par Danny Turcotte, le fou du roi.
Le fou du roi, à tout le monde en parle. Ben, la petite séduction va s'arrêter à Témiscouata sur le lac. Enfin, un projet mobilisateur. Il n'y aura pas de chicane. Catherine Trudeau, la comédienne bien connue du petit écran. Moi, je me rappelle de Catherine dans une série mémorable, Les Invincibles. Elle jouait Lynn la Poffine. Ben, elle va venir nous visiter et on va essayer de la séduire collectivement. Ça va être de toutes les beautés. Et je voulais revenir sur Packington. C'est quoi le buzz? Vous avez été des dizaines et des dizaines à visionner et partager la vidéo qu'on a diffusée sur webtemis.com la semaine passée. Alors, merci beaucoup et continuez à faire buzzer vos villages. Et si vous me dites que votre village est plus buzzant encore, faites-nous signe, on va aller vous voir. Puis continuez à encourager le bistrot Saint-Benoît. Il y a une équipe fantastique qui nous a accueillis lorsqu'on a fait l'entrevue. C'était à la fin janvier. Sur ce, comme je le disais tantôt, bon printemps et surtout, joyeuse Pâques. Profitez-en. Hey, ça n'a pas de bon sens. J'avais oublié un tapon d'affaires. Et c'est encore bon. OK. C'est parce que j'arrive d'une tournée. J'ai oublié de te dire ça. J'arrive d'une tournée qui s'appelle Vise plus loin. Quatrième édition. Ça, c'est une tournée qui est organisée de façon conjointe avec les régions du nord du Québec, la Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et Bas-Saint-Laurent, évidemment. Ça visait à interpeller les chercheurs d'emploi et les futurs diplômés qui pourraient avoir un intérêt à s'établir dans l'une de nos régions. Tu sais qu'il y a des milliers de postes disponibles dans chacune de ces régions-là pour les prochaines années. Fait que Vise plus loin, ça mise sur un contact personnalisé avec les jeunes qui souhaitent trouver un emploi ou un stage stimulant dans un endroit où le contact humain et les grands espaces font partie du quotidien, notre quotidien. Hey, autre chose... Tant qu'à parler du printemps, tout ça, ça veut dire aussi que les séjours exploratoires reviennent au Témiscouata. Je vais recevoir des visiteurs très, très bientôt et c'est le temps de s'inscrire. Tu connais quelqu'un, ton fils, ta fille, ton cousin, ta cousine, ton neveu, ta nièce, qui aimerait ça découvrir ou redécouvrir le Témiscouata et imaginer son avenir ici, tu me contactes à migration@commercialcgetemiscouata.qc.ca ou tu m'appelles au Carrefour Jeunesse Emploi. Puis en terminant, là, si tu veux démystifier le commerce électronique pour demeurer concurrentiel puis tirer profit des solutions numériques, bien, la SADC de Témiscouata revient à la charge avec son déjeuner solution. Et ça, ça va se passer à Ponégamouc Santé plein air le mercredi 22 avril, Journée de la Terre. Et c'est mon anniversaire aussi, de 8h à 10h. Donc, manque pas ça, puis les places sont limitées. C'est un certain Bruno Brochu qui est associé en consultation à la Banque de développement du Canada qui va animer cette conférence-là. Va faire un tour là-bas. Là, c'est vrai, j'ai fait le tour. Hey, bon printemps, joyeuse Pâques.